Les activités commémoratives de 30 ans d'existence de l'Université de Goma étaient célébrées ce samedi par le gouverneur du Nord Kivu, le vice-gouverneur du Nord Kivu, l'UNIGOM, la toute première institution universitaire étatique de la province créée depuis le 17 juin 1993. Cette institution a choisi de célébrer son trentenaire à travers différentes activités culturelles et scientifiques, et cela jusqu'au 14 juillet de l'année en cours. L'Université de Goma. En mode célébration de 30 ans depuis sa création, le 17 juin 1993. Une célébration marquée par une série d'activités qui s'étendront sur un mois, a déclaré le professeur Muindo Mwanda, recteur de cette université étatique. Ces activités de célébration qui vont durer du 17 juin au 14 juillet vont comprendre domaine par domaine des activités culturelles et sportives qui vont réunir les anciens de l'Université de Goma et les étudiants qui sont là. Ça sera une occasion de partage d'expériences, se plonger dans le passé pour aller mieux vers le futur. Ça sera l'occasion de rencontrer ces anciens, prendre conseil auprès d'eux et leur demander de s'engager davantage pour que l'Université de Goma continue à rayonner. Pendant cette période, domaine après domaine, il y aura des activités scientifiques. Au cours de ces activités scientifiques, que ce soit l'occasion de ramener la société tout entière, les aspects institutionnels et sociétaux vers l'Université de Goma. Lançant officiellement les activités commémoratives de ces 30 ans de vie, le vice-gouverneur des provinces, le commissaire divisionnaire Romy Ekoukalipopo, a salué le travail abattu par l'équipe du professeur Muindo Mwanda après 18 mois seulement à la tête de cette institution étatique. Comme je suis arrivé ici un certain lundi 10 mai, l'Université de Goma, passez-moi l'expression, ressemblait à une porcherie. Mais regardez la belle robe dont s'est revêtue l'Université de Goma. Une transformation qui laisserait pantois même les gens qui n'aiment pas dire du bien des gens. Bravo, monsieur le professeur et recteur. Le professeur Jean-Paul Seguirobé, ancien recteur de cette institution, appelle au vivre ensemble pour le meilleur avenir de l'UNIGOM. Des étudiants en passant par les anciens de cette première institution étatique du Nord Kivu, tous ont vanté les mérites de l'actuelle équipe dirigeante de cet établissement public. Que vive l'Université de Goma et joyeux anniversaire!